On fait un comeback. Allez, viens, Serge. Allez. Il y a Yann qui... A de Turf, vous connaissez ce site-là? A de Turf. Toi qui... parce que toi qui vas sur pas mal de sites. Toi qui fréquente pas mal de sites. Tu connais site. Ouais, A de Turf, tu connais? De nom, mais ouais, non. Ouais, t'as jamais été. Non, il y a personne qui va dessus. Ah, non. Bah, c'est Yann qui fait ce site-là. Ah, va dessus, il y a des conneries, c'est marrant. C'est Yann. Ouais, on l'a fait, nous, notre site. Mathieu, c'est ton retour à Vincennes. On peut dire que ça a été à la fois court et long. T'as les cons, ta question. C'était long et court. C'était... Ouais, bouge-toi. Attends, on la refait. Mathieu. Oui, c'était long et court. Parce que c'était long, parce que la convalescence, quand même, mine de rien, c'est pas toujours agréable. Et puis c'était long, hein. Et puis court, court, moi j'ai jamais trouvé ça trop court, hein. Maintenant, j'allais. Court, moi j'ai jamais trouvé ça trop court. Si les chirurgiens, eux, ils trouvent que c'était court, parce que peut-être qu'ils me donnaient plus long, ils sont pas trop mouillés, parce qu'ils m'ont jamais vraiment donné de date non plus. Donc, eux, peut-être qu'ils disent. Qu'on te fait, c'est normal, ou je sais pas. Donc, quand au début j'étais accidenté, c'est vrai qu'ils m'ont jamais dit j'en ai pour 2 ou 3 mois. Donc, moi j'ai trouvé ça plutôt long que court. Maintenant on revient, on est en bonne forme, donc c'est le principal. Le côté psychologique, de temps en temps ça doit être très très dur quand on se retrouve vraiment tout seul, isolé. Ouais, non, bah c'est vrai que le fait d'être enfermé, ouais, parce qu'on est habitué à courir un peu partout en général, donc. Là, on se retrouve bloqué dans une chambre, allongé, on bouge pas, donc c'est tout de suite, c'est beaucoup plus chiant qu'on a le temps de réfléchir. Il y a des fois, on réfléchit pas forcément à des bonnes choses, donc c'est vrai que c'est ce côté-là où on a besoin de soutien, et donc ça va, j'ai été quand même pas mal soutenu, donc tant mieux. Monter, là, ça fait 15 jours, je crois, quasiment tous les matins. Ah ouais. Monter, ça va. Bah, je prends des balles, mais oui, c'est plus la condition qu'autre chose, parce qu'après, après, je suis pas emmerdé. Et pour monter et descendre? Si, là j'arrive à sauter dessus, là, mais je fais pas le fou. Je préfère qu'on me prenne la jambe. Ouais. Alors, au début, hop, je me mets, je chope la pédale, un peu de mal. Et après, une fois que je suis posé, après c'est bon. Et vous laissez partir. Bah, le premier coup, j'étais comme ça, j'arrivais pas à me pencher. Putain, bah, j'ai pas mieux. En avant comme droite. Ouais, après, bah, là où je suis mieux, c'est quand je vais plein pot. Ouais. Hier, j'en ai foyé un peu quand même pour voir si j'espère pas de l'équilibre. Extra. Le pauvre, il a pas une fessée, mais bon, non, il a mérité, hein. Il l'a pas pris gratuitement. Hein. Mais je suis pas vrai. Ouais, c'est celui-là, Stéphane Meunier, ça? Ouais. C'est celui-là que t'as gagné à Chartres? Ouais. Putain, il y a un truc de fou, là. Alors, celui-là, je devais le mener à Chartres. Juste avant que je me plante, j'ai fait le hit à... Et la dernière course que j'ai gagnée, c'est avec la RAC, là, que t'as gagné montée. Putain. Je sais pas pourquoi je suis revenu. Des conneries. Ça tourne? Ça tourne. Merde. Non, on peut pas recouper tout parce que j'avais pas mis ma mèche comme il faut en fait. Ça fait un cadeau. Merde, bah ouais, je vais bien derrière. Est-ce qu'à un moment t'as douté sur ton retour à la compétition? Est-ce que tu t'es dit c'est foutu? Non. T'as pas du noir? Ouais, bah en plus sinon moi le fait d'être bloqué dans un lit, tant que je bougeais pas, j'avais pas mal, alors je me rendais pas vraiment compte de ce que j'avais. Après, ouais, si c'est quand j'ai commencé à rebosser un peu, parce que. Des petites choses, quoi, des petits détails du quotidien qui font que tu te rends bien compte que tu as quand même été touché pas mal. Après, douter, non, je croyais que j'allais revenir plus vite que ça. Et puis, c'est quand je suis ressorti de rééducation que j'ai bien vu quand même qu'il y avait encore pas mal de boulot à accomplir. Donc, douter, non, j'ai toujours regardé en avant et j'ai pas pensé changer de métier. Peut-être que je le ferai plus tard, je sais pas. Mais non, après, sur ma convalescence, j'étais à fond dedans. Donc déjà, au début, tu penses à remarcher comme il faut, et puis après, à revenir aux courses, et après, à regagner des courses. Donc, on va essayer de regagner des courses assez vite. Salut Mathieu. Bien ou pas, femme? Ça va, extra. On m'a tiré tous mes soupules, donc celui-là qui regarde la vidéo et qui m'a emprunté un soupule, ça vient qu'il me les ramène quand même. Parce que j'en ai plus beaucoup. C'est ça. Est-ce que ça t'a forgé un moral d'acier finalement? J'ai pas une tête de guerrier peut-être là, hein? La mèche, c'est bon. Non, ça forge, ouais, c'est.
Tu relativises maintenant ? Oui, tu relativises beaucoup plus. Après, il y en a beaucoup qui disent « T'inquiète pas, tu reviendras plus fort qu'avant. » Et d'un coup, ils te voient marcher, ils disent ouais, « Merde, je sais pas s'il est plus fort. » Non, enfin, oui, ça s'est fait pour remonter le moral. Quoi. C'est comme le jour de la mariée où il pleut, on dit « Un mariage pluvieux, mariage heureux, là, le coup du « Tu vas revenir plus fort », c'est un peu ça. » Mais ouais, ça aide à relativiser beaucoup de choses. Hein. Là, on est bien, on est en forme, donc tant mieux. Maintenant, on n'a plus qu'à. On va essayer de revenir au top comme c'était avant, puisque ça se passait pas mal avant que ça s'arrête. Donc, faut qu'on continue. Est-ce que le soutien de nombreuses personnes, anonymes comme pas, des gens du métier, ça t'a touché à quel point, on va dire ? Bah, c'est vrai que j'ai eu pas mal de messages de sympathie. Donc, il y a des fois, quand tu les lis dans les moments où tu es un petit peu... où tu te sens pas forcément au top, ça fait toujours chaud au cœur. Et puis bon, ça fait du bien de sentir que derrière, on bosse pas pour rien et qu'on a du monde qui pense à nous. Là aujourd'hui, quand je suis rentré en piste, ça fait plaisir. C'était autre chose que l'ambiance qu'il y avait lors de l'équipe de France de football qui est venue quand même, non ? Moi j'ai trouvé. Moi j'étais content. Bon, enfin, j'étais pas dans le bus avec les bleus. Mais là, ça crachait dur. Ouais, j'étais content, j'ai retrouvé mes potes dans le fond de la ligne droite là-bas, ils m'ont acclamé, il y a eu une petite banderole et tout, et ça fait du bien. T'avais un petit, une sorte de petit pari avec un footballeur, c'en est d'où cette histoire-là ? Avec Khalilou, Traoré, je lui ai dit je vais gagner une course avant que tu remettes un but. Je suis déjà rentré sur le terrain, j'ai encore pas mis de but. Donc à voir, mais j'ai perdu un peu de temps moi sur mon dossier quand même. Hein. Je pensais que j'allais avoir déjà mis un but, gagner une course plutôt que ça. Et donc faut que je regarde les résultats quand même, parce que peut-être qu'il a déjà marqué. Donc je sais pas, mais je crois qu'il est défenseur, donc déjà je prends pas trop de risques.